qu'un jardin extraordinaire, un cimetière paysager à l'anglaise, à l'américaine même, accessible aux automobiles comme les cimetières d'outre-Atlantique. Tout ici respire la quiétude. Ives, cèdres, conifères, une douzaine d'essences d'arbres participent à la richesse de cet endroit qui inspire le respect. On se rend compte que beaucoup de personnes viennent dans ce cimetière. Vous avez pu remarquer d'ailleurs que c'était très fleuri. Un cimetière paysager incite certainement à fleurir plus que les anciens cimetières. Et l'espace entre les tombes aussi fait que cet espace vert attire l'œil. Ce cimetière a été imaginé en 1961 par l'architecte Armand Varieras à la demande du maire de l'époque, Charles Spinas. Les tombes s'étendent sur 4 hectares, embellies des fleurs de souvenirs, autant de témoignages contre l'oubli. Bien sûr, tout cela demande de l'entretien. Il y a 4 agents qui passent à peu près 4 jours par semaine, tous les 10 jours. Pour la propreté des allées, pour l'entretien des pelouses. On fait une taille, voire 2 tailles sur les arbustes à l'année. Ouais. Une au printemps, une à l'automne. Entretenu, bichonné même, le cimetière des Gletons est un écrin sur les hauteurs de la ville. L'aspect funèbre est comme dissous dans la lumière automnale. C'est un havre de paix. Voilà, et je vois mes parents quand ils ont choisi ce joli pin qui est un séquoia géant. C'est agréable et puis très bien entretenu, voilà, toute l'année. Très paisible. Très paisible. Déjà agrandi, ce cimetière va bientôt bénéficier d'un gazon afin de végétaliser les allées piétonnes, des allées qui vont voir passer beaucoup de monde en cette période de Toussaint.